Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir. Botanabino, banso, bandeko, moyo en bonso, jambreno, botanabeno, bampangi. Voilà, chers compatriotes, nous allons parler aujourd'hui de quatre sujets. D'abord, du discours de Félix Tshisekedi que nous avons tous entendu. Mais si nous en parlons maintenant, encore et encore, c'est pour nous étonner de la façon dont il a enflammé la salle à l'ONU. Et curieusement, quand il parlait, on applaudissait dans la salle. On applaudissait dans la salle quand il parlait. Très étonnant, chers compatriotes. Et ensuite, nous parlerons du président polonais, le seul président occidental, le seul président européen à parler de Félix Tshisekedi. Il est en colère. Il dit pourquoi deux poids, deux mesures. Ce qui se passe en Ukraine, la Russie qui a attaqué l'Ukraine, ça se passe également en Afrique. Il y a le Rwanda qui a attaqué la RDC. On n'en parle pas. Quelle hypocrisie, quelle complaisance. Pourquoi deux poids, deux mesures? Nous avons un média là-dessus, de mediacongo.net. Nous pourrons vous le montrer. Et ensuite, il y a la saga de Vidier Chimanga, le fameux conseiller du président de la République. Bon, il se trouve en prison actuellement et nous avons une petite vidéo que nous allons vous montrer là-dessus. Voilà, mes chers compatriotes. Il y a également, bon, on ne va pas en parler beaucoup, l'intervention timide de Paul Kagame. Paul Kagame n'a pas su s'exprimer à l'ONU, comme vous pouvez le voir dans les images. Vous avez déjà vu, bien sûr. Pour lui, ce qui se passe à l'est du Congo, voilà, c'est la même chose depuis 20 ans. Il n'y a pas de différence. Il dit que la solution est possible d'une façon pacifique, que la communauté internationale peut aider à cela. Il pense au dialogue, mais nous, peuple congolais, au nom de qui le président Félix Tshisekedi a parlé, nous ne voulons pas de compromis, il n'y a pas de dialogue. Ou c'est la paix totale, ou c'est la guerre totale. Voilà, chers compatriotes. Regardez. Continues afin to aggrieve my country définitivement in order la sécurité, to restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins sous la garantie de la communauté internationale. Les mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit n'ont duré que l'espace de quelques mois. Only lasted for a few months. Vite, l'architecture s'est fissurée the architecture et l'édifice of those s'est écroulé. Prospects cracked and the building et collapsed. On recommence toujours avec les mêmes we always tragédies. Start again with the same tragedies. Depuis mon élection à la tête since de la République démocratique du Congo, je n'ai eu de cesse de me battre chaque jour pour la paix et la sécurité dans les provinces congolaises de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. M'inscrivant dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins, je n'ai ménagé aucun effort pour assurer les chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun, la conclusion d'accords de coopération sécuritaire et de partenariat économique et la réalisation de projets de développement pour nos populations respectives.
respective populations. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, hand of the Congolese certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses armées RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu areas in the province of North Kivu via a transplanted du 23 mars, armed terrorist group, the 23rd of March movement, the M23, to whom they provide massive support both in fighting materials and also in manpower and troops. And to challenge the international community, the M23, with the support of the Rwandan army, even shot down a MONUSCO helicopter and killed eight blue helmets, and in so doing committed a war crime. En ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dans mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables, dès lors que plus d'une fois, aussi bien les groupes d'experts dûment mandatés par l'ONU et le mécanisme conjoint de vérification élargie de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGEL, que des organisations non gouvernementales, humanitaires et des droits de l'homme crédibles les ont établis dans des rapports documentés et objectifs à la limite du scientifique. Au demeurant, pour éclairer la communauté des nations et mettre fin aux sempiternelles délégations des autorités rwandaises, le gouvernement congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. In the context of international peace and security, il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Procéder autrement serait d'une part encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, et d'autre part nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes. C'est pour mettre fin à cette suspicion et dissiper l'ambiguïté de certaines positions du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC, ambiguïté qui excède la population congolaise et exacerbe la tension entre elle et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO, que le gouvernement de mon pays a demandé la réévaluation du plan de retrait progressif et responsable de cette mission. Cette démarche d'ajustement est exigée par le constat unanime, même au niveau le plus élevé de notre organisation, des faiblesses regrettables de la MONUSCO, ce qui affecte certainement l'efficacité et la légitimité de l'action de l'ONU en République démocratique du Congo. Si vous suivez bien, chers compatriotes, vous vous rendrez compte que le président Félix Tshisekedi Tshilombo s'attarde longuement sur l'attaque du pays à l'est par le Rwanda et le M23.
Oui, sous couvert du M23. Et il fait allusion également aux complices. Aux complices et aux complaisants du Rwanda. Voilà, il demande que soient distribués les rapports concernant ces crimes à l'Est à tous les membres du Conseil de sécurité. Vous avez entendu. Donc, il a appelé le chat par son nom. Il n'a eu peur de personne. Et dans tout cela, vous constaterez que Bango, bah américain, bah français, bah anglais, bah zolo, bah yolo côté. Mais président Moko, président y a Pologne, azui courage y a qu'au défendre la République démocratique du Congo. Alobi, il y a deux poids, deux mesures. Pourquoi il se passe ce qui se passe en Ukraine et en RDC où le Rwanda attaque le. La RDC occupe une partie de la RDC, on dit rien. Vous taisez, c'est de l'hypocrisie. Suivez, chers compatriotes. Formation en exclusif, chers compatriotes. Une information exclusive. Le seul président occidental, le seul président européen à défendre la République démocratique du Congo à l'Assemblée générale de l'ONU. Le seul président qui a défendu Fachi à l'Assemblée générale. Il s'appelle Andrzej Duda, président polonais. C'est incroyable, chers compatriotes. On va lire. Voilà. Oui, on va lire. Pourquoi c'est comme ça? Ah ouais, voilà. C'est mieux comme ça. Voilà le président en question, chers compatriotes. C'est un jeune. Andrzej Duda, président polonais. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? C'est publié par Média Congonet. Balobini. Andrzej Duda, président polonais. Le président polonais Andrzej Duda a dénoncé le mardi 20 septembre, depuis la tribune de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la complaisance de l'Occident face à la situation de l'Afrique, dont celle de la République démocratique du Congo, qui ne cesse de compter des morts suite à l'agression de ses voisins, notamment le Rwanda. Andrzej Duda a décrié la politique de deux poids, deux mesures, dont fait montre la communauté internationale dans le traitement des dossiers de l'agression de l'Ukraine par la Russie, alors que la même situation est vécue ailleurs, notamment en RDC. Voilà, il les attaque par rapport à leur complaisance. Ils veulent plaire à Paul Kagame. C'est le seul président occidental, hein. Contrairement à Macron, les Anglais, les Américains. Mesdames et messieurs, je me dois être honnête avec vous. C'est lui qui parle, hein. Dirigeant du Nord riche ou dirigeant de l'Ouest de l'Occident, il est positif qu'ayant été à la hauteur des défis en Ukraine et ayant fait front commun pour appuyer la victime plutôt que l'agresseur, nous ne pouvons pas faire preuve de complaisance. Avions-nous une détermination semblable lors de la tragédie qui a frappé la Syrie, la Libye, le Yémen? N'avions-nous pas établi le statu quo lors des deux tragédies qui ont frappé la République démocratique du Congo après les guerres qui ont frappé la Corne de l'Afrique, alors que nous condamnons l'invasion en Ukraine?
s'est-il interrogé. Comme dans ses habitudes, a déploré Andrzej Duda, la communauté internationale continue d'accorder de l'importance dans le traitement des dossiers selon qu'il s'agit de tel ou tel autre coin du monde. Le cas le plus éloquent est celui des dossiers Russie-Ukraine et RDC-Rwanda. Voilà, on va monter le texte. C'était où? Voilà, on peut reprendre. Voilà, c'est par là. Comme dans ses habitudes, a déploré Andrzej Duda, la communauté internationale continue d'accorder de l'importance dans le traitement des dossiers selon qu'il s'agit de tel ou tel autre coin du monde. Le cas le plus éloquent est celui des dossiers Russie, Ukraine et RDC Rwanda. Pour le premier dossier, la faveur accordée au traitement de l'affaire par les Occidentaux, notamment les Nations Unies, étonne plus d'un, a-t-il dit. Le président polonais note que l'Organisation mondiale a levé le ton en condamnant l'agression de l'Ukraine par la Russie. Elle s'est mobilisée derrière l'Ukraine et pris des mesures contre le pays de Vladimir Poutine, contrairement à ce qui se passe dans le dossier Rwanda, République démocratique du Congo, où elle manifeste une certaine complicité. Bien que toutes les preuves accusent le Rwanda d'agresser la République démocratique du Congo, la fameuse communauté internationale peine à prendre des sanctions contre le pays de Paul Kagame. Lors d'une interview accordée à RFI et France 24 le 18 septembre sur l'instabilité sécuritaire dans l'est de la RDC, Antonio Guterres a évité de citer le Rwanda comme soutien du mouvement M23, alors qu'un rapport du groupe d'experts des Nations Unies a accusé le Rwanda d'avoir directement et indirectement mené des offensives dans l'est de la RDC. Voilà, c'est la publication de Jojo Vondi. congopresse.com. Voilà, relié par mediacongo.net. Voilà la complaisance des Américains. L'Occident, c'est les Américains, l'Union européenne, pas tous. Lui, il est polonais, bon, il fait partie de l'Europe. Voilà, c'est le seul Kaka Yemokonde à défendre la République démocratique du Congo. Peuple congolais, cherchons les armes et boutons les Rwandais dehors, de Bunagana. Voilà, chers compatriotes, pour cet article. Voilà, ces jours-ci, chers compatriotes, on n'a pas cessé de parler de Vidi Chimanga. Vous avez sûrement déjà regardé ces vidéos, pour certains d'entre vous. Voilà, il avait été convoqué au parquet. On l'a entendu pendant 4 heures. Et après les 4 heures, comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo, il a été conduit à la prison de Mac. Voilà, Vidi Chimanga s'est illustré dans une affaire sale où il a été piégé par des Occidentaux, voilà, et qui ont mis les enregistrements sur la toile. Et je vous laisse regardez cette petite vidéo. Voilà. On est derrière vous.
Chers compatriotes, maintenant pour clôturer, nous allons parler un peu de Paul Kagame. Vous avez entendu son discours en anglais, bien sûr, pour ceux qui comprennent l'anglais, mais il y a eu aussi des traductions. Maintenant, qui est Paul Kagame? Paul Kagame, c'est un menteur, c'est un terroriste, tel que l'a qualifié le président Félix. Voilà. Paul Kagame a été timide, il n'a pas su parler. Il a parlé timidement, chers compatriotes. Et qu'est-ce qu'il disait? Oh, voilà la situation du Congo qui se passe dans l'est du Congo n'a pas changé depuis 20 ans. La situation est toujours la même. Ben, il voulait tout simplement dire que bon, l'ONU ou la MONUSCO était inefficace. Et il fait allusion également aux attaques qu'il aurait eues dans son pays. Mais le président Félix Tshisekedi l'a fait entendre que il n'y a pas de FDLR chez nous, qu'il en donne la preuve. Et puis beaucoup ont été rapatriés. Il a traité de génocidaire, indirectement, parce qu'il a dit « Nous les Congolais, nous ne sommes pas des génocidaires. » Voilà. C'est pour faire entendre à la communauté internationale que Paul Kagame, c'est lui qui est génocidaire. Parce que il est responsable, comme le disait le président du Parlement, de la Chambre basse, Mbosso, que il est, Paul Kagame, responsable de 10 millions de morts au Congo. Nous, les Congolais, comme le président Fatih lui a dit, nous ne sommes pas des tribalistes, comme lui. Il pense que nous, les Congolais, on est là pour maltraiter les Tutsis. Mais non, ces Tutsis congolais, on les connaît, ils vivent avec nous depuis longtemps. C'est lui qui est raciste parce qu'il a un régime mono-ethnique. Le président Tutsi, les ministres et consorts et tout le monde, les Hutus n'ont pas de place. Ce n'est pas le président qu'il faut pour le Rwanda. Alors, le président Félix Tshisekedi a également demandé à la communauté internationale de ne pas tenir compte de la victimisation de Paul Kagame. Nous, les Tutsis, nous, voilà. Non, non, ne l'écoutez plus. Il a dit, ne l'écoutez plus. Il n'a aucune preuve. Il n'a dans sa tête que des FDLR imaginaires. Voilà, chers compatriotes, ce qui s'est passé. Il n'a pas parlé longtemps. Il aurait parlé pendant 10 ou 12 minutes, comme ça, parce qu'il n'avait rien à dire. Et nous également, on ne va pas s'attarder longtemps sur lui. Et puis, bon, nous clôturons. Et nous vous remercions de nous avoir accompagnés durant cette émission. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.